Le décagivre, le chevalier de la mort givre, a été drastiquement changé sur Shadowlands. Ne serait-ce qu'un truc assez basique, désormais il peut mettre une grosse épée de deux mains, ou il peut porter deux armes à une main. Ce qui ouvre à différents builds, il y a deux nouveaux principaux builds qui vont être axés sur l'un ou sur l'autre, qui marchent vraiment bien sur la bêta. Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur le décagivre sur Shadowlands. Tu vas recevoir beaucoup d'infos, et à la fin de cette vidéo, tu en sauras beaucoup plus sur le décagivre, son gameplay, ses conduits, ses légendaires, ses nouveaux talents, comment il fonctionne sur Shadowlands. C'est parti. On va commencer par la façon dont j'aime bien un petit peu commencer mes vidéos. C'est que, un, on va parler rapidement des ressources de la classe. Alors, ça va aller assez vite parce qu'au final, ça n'a pas changé. Le chevalier de la mort, il fonctionne avec un double système. Tu as de la puissance runique qui peut être un petit peu comparée à de la rage d'un guerrier, c'est-à-dire que tant que t'es en combat, ça descend pas, ça descend en dehors. Quand tu dépenses des runes, à chaque rune dépensée, tu gagnes 10% de puissance runique. Et sinon, tu as 6 runes, tu en as 3 au maximum qui se rechargent à la fois. Et du coup, tu as des compétences qui utilisent soit des runes, soit de la puissance runique. Voilà, de façon très simple, le DK fonctionne toujours de la même façon à ce niveau-là. Pour aller au très simple de la classe, tu as une façon principale de dépenser des runes quand t'es en givre, c'est anéantissement, qui utilise 2 runes et du coup génère 20% de puissance runique. Et tu as frappe de givre pour permettre de dépenser la puissance runique. Voilà, de base, c'est comme ça, la classe fonctionne comme ça. Et après, il y a plein d'autres talents, d'autres prios, d'autres trucs. Je t'ai fait un petit wikora pour la vidéo, histoire que tu comprennes un petit peu comment ça marche. Je vais t'expliquer rapidement. Et ensuite, on va rentrer dans le premier build, qui est le build à l'arme à deux mains, parce qu'évidemment, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui t'intéresse forcément parce que tu ne pouvais pas le faire sur BFA, voilà, tu pouvais pas. Donc à gauche là, c'est juste le cooldown de mon univers impitoyable. Donc ok, assez simple, assez basique. Le petit symbole de fleur là, à ce niveau là, c'est du la mort, c'est le pouvoir de congrégation des fées qui remplace la grosse zone, la zone au sol des dégâts qui est désormais accessible à tout le monde, ok. Du coup, ça l'amplifie, ça la rend meilleure, ça te fait des bonus de force, etc. Mais on y reviendra dans la vidéo. Entre autres, désormais, quand je vais poser cette zone, mon anéantissement va toucher une cible supplémentaire. Et l'anéantissement est devenu très fort. Bon, je t'explique juste après pourquoi. En haut, là, c'est mon pilier de givre. À droite, il y a la wyrm. Et là-bas, c'est les stacks de la chaîne glacée. Anéantissement est devenu très fort à cause d'un up monstrueux sur machine à tuer. Machine à tuer, ça fait que les coups critiques de tes attaques ont une chance de te faire un proc de machine à tuer. De tes attaques de base. Ok, donc jusque-là, c'est assez simple. Et ce proc, il fait en sorte que anéantissement, il offre des dégâts de givre et forcément un coup critique. Avant, c'était pas des dégâts de givre. De base, c'est une attaque physique. Et le fait que c'est en givre, ça fait que du coup, tu ignores l'armure, donc tu rajoutes facilement 30% des PS sur les donjons en PvE, etc. Ça le fait en sorte que du coup ça proc avec la maîtrise du DK pour rappel, ça augmente les dégâts des techniques de givre. Ouais, du coup tu as les dégâts qui sont augmentés de base, parce que du coup c'est un sort, tu as les dégâts qui sont augmentés parce qu'il y a la maîtrise, et ça devient un truc qui est complètement débile. Entre autres, le fait d'être à deux mains, ça change un truc drastique. Utiliser une arme à deux mains augmente les dégâts d'anéantissement de 35% et augmente les chances de coups critiques de vos attaques automatiques de conférer machine à tuer. Là où la deuxième partie, bon bah ça revient à peu près à la même chose avec les armes à deux mains, parce que tu tapes plus quand t'as les armes à deux mains. La première partie, anéantissement augmente ses dégâts de 35%. Donc là déjà tu commences à voir la débilité du truc. Tu dis ok, alors attends, désormais, quand tu as la machine à tuer, il part en critique, en givre, ça augmente avec la maîtrise et tu peux augmenter les dégâts de 35% avec ça. Oui, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que ça serait trop facile sinon. Tu as également par exemple une légendaire qui marche vachement bien avec, qui dit que anéantissement fiche 10% de dégâts supplémentaires et a 15% de chance de vous restituer 2 runes. Ok, donc si tu prends ce build, tu joues cette légendaire. Tu as également un truc au niveau des conduits qui dit que... Parce que comme ça, je te montre un petit peu tout avec les builds et je trouve ça vachement intéressant. Alors, qui dit que anéantissement augmente les dégâts de votre prochaine frappe de givre de 10%, puis même plus que deux fois, donc ça tourne bien autour de l'anéantissement. Tu gagnes de la hâte quand tu claques tes renforcements runiques. Et frappe de givre augmente ta force. Donc là, je vais te faire une première rotation sur le poteau. Donc j'aimerais bien te mettre la donne qui te montre les sorts que j'utilise petit à petit. Trouve si j'ai cédé. Mais il marche pas sur Shadowlands. Donc à droite là, t'as le détail hein, pour info, pour voir un petit peu les données, les chiffres, etc. N'hésite pas à aller checker. C'est parti.
Voilà, tu vois, là on a plus de 13k DPS. Alors là, la fureur du worm de givre, elle a mis des dégâts de débile parce que je l'ai mis au bon moment. Mais en gros, normalement, sur des combats plus longs, c'est ton anéantissement qui fait tous tes dégâts, notamment à cause du proc de machine à tuer. Et en gros, l'idée, quand tu joues un build avec oblitération, c'est de le jouer en deux mains, parce que tu fais beaucoup plus mal sur tes anéantissements. Ça marche aussi avec deux épées de main, mais c'est moins fort dans l'absolu. L'idée générale, c'est de te dire qu'à chaque fois que tu auras ton pilier de givre, tu vas pouvoir également mettre ta zone, donc ton dieu de la mort, donc ça va augmenter drastiquement tes dégâts. Ok, donc déjà tu augmenteras si manque tes dégâts. Ensuite tu tapes en zone avec tes compétences, et à chaque fois que tu vas faire une compétence, vu que tu joues oblitération, je vais te relire ce que fait le sort, tu vas pouvoir reproc la machine à tuer. Et l'idée en fait, c'est d'essayer de mettre un maximum de machine à tuer sur la durée du pilier de givre. En gros, si on regarde rapidement les talons, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on fait. On a cœur de froid. Cœur de froid, ça fait que ta chaîne glaciale, tu vas gagner un stack toutes les 2 secondes. Et à 20 stacks, tu vas faire grave mal, parce que c'est le maximum du stack. Et ça va faire des dégâts sur la cible. Ça marche vachement mieux sur une épée de main, parce que ça scale sur les dégâts de l'arme de main droite. Ok, donc si t'as 2 épées de main, bah forcément ton épée elle est un peu moins forte. Du coup, tu fais plus mal si t'as une épée de main que si t'as 2 épées une main. Ensuite, tu as consommé machine à tuer à 50% de chance de te conférer une rune, ce qui tombe bien parce que tout notre build tourne autour de machine à tuer sur cette frame du pilier. Tu as également avancée glaciale, qui marche vachement bien aussi, qui fait que du coup ça remplace, tu peux l'utiliser en plus de frappe de givre, qui fait que du coup ça fait des dégâts devant toi et ça fait extrêmement mal, hein. Typiquement là, si on regarde, je vais faire une avancée glaciale devant moi là, pap. Juste une avancée glaciale, il y a eu 0 critique, ça fait déjà 3600 dégâts. Donc en gros, c'est une frappe de givre de zone, si on veut, avec un cooldown de 5 secondes. Et sinon, tu as oblitération. Tant que pilier de givre est actif, frappe de givre, avancée glaciale et rafale hurlante confèrent toujours machine à tuer et ont 30% de chance de générer une rune. Donc en gros, l'idée, c'est quand tu es sur cette proc, tu vas, si t'as rafale, tu fais rafale. Mais en gros, tu vas faire anéantissement, un sort. Anéantissement, un sort. Ta priorité de sort, ça va être rafale si t'as le proc de rafale. Et sinon, ça va être avancée glaciale si t'es plus d'une cible. Et sinon, c'est avec frappe de givre. Mais l'idée, c'est de toujours faire anéantissement, un sort. Parce que les sorts vont te faire proc ton anéantissement. Donc si on refait tranquillement ce petit, le petit burst, hein, petit, comme on a pu le voir tout à l'heure, on peut commencer même tranquillement par mettre une chaîne glaciale. On s'en fiche, on va mettre notre hiver. Et là, on va commencer à claquer le burst. Donc, ok, c'est parti, on met le pilier, on met la zone, tac, anéantissement, avancée glaciale, anéantissement, frappe de givre, anéantissement, rafale, anéantissement. Là, tu mets la viande parce que t'es à la fin des stacks et du coup, t'es à la fin du pilier et c'est là où t'as le plus d'armure. Tu remets anéantissement et tu tournes facilement à plus de 10k DPS, 300 000 dégâts, mais fait en un rien de temps. Et là, avant, c'était un décagé, c'était très très constant dans le temps. Désormais, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que tu vas être relativement constant parce que ton burst, entre guillemets, c'est ton pilier de givre, et avec ta zone, et ça, tu le récupères toutes les 45 secondes, le pilier de givre. Donc, en gros, tu auras 15 secondes de gros DPS toutes les 45 secondes si tu prends un build autour d'anéantissement. Sachant que c'est le build qui marche le mieux à l'heure actuelle sur les épées de main. Donc, si on voulait refaire ça, on refait ça, tac, t'as ton pilier de givre, tu mets un coup. Machine à tuer, un coup, machine à tuer. Là, je peux mettre une avancée glaciale, machine à tuer. T'as le proc rafale, tu le fais, machine à tuer, rafale. Et comme tu peux le voir, là, ça rentre des dégâts qui sont vraiment super corrects. Même sans la weir, même sans ce genre de truc, anéantissement prend une part monstrueuse de ton DPS et il tourne facilement de 40 à 60% de ton DPS, tellement ça fait trop mal. C'est débile. Donc ça, c'est le gameplay quand tu joues à deux mains. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Vidéo risque d'être peut-être un petit peu longue, mais au moins t'auras toutes les infos qu'il faut. Donc là, c'est pour te dire à quel point l'anéantissement était bien up et à quel point ça marche bien avec les armes à deux mains. Désormais, on va voir la contrepartie. On peut jouer évidemment ce build avec deux épées de main, mais dans l'absolu, ça marche moins bien, notamment parce qu'on a vu sur l'anéantissement. Également, un truc qu'il faut que je te montre, parce que ça va servir pour après, c'est qu'il y a énormément de sorts, si ce n'est pour dire tous les sorts du décagivre, dès qu'il s'agit d'un buff, qui sont pas sur le GCD. Ce qui veut dire que tu peux tous les poser en même temps. Ce qui veut dire que tu peux également faire des macros. Pour te donner une idée, là j'utilisais cette macro là. Donc là j'ai mon racial orc qui n'est pas sur le GCD, puis le gif qui est pas sur le GCD, renforcer l'âme runique qui est pas sur le GCD, mon trinket qui est pas sur le GCD, et du coup je peux faire un petit cast en plus de ma zone de mort. Ok, mais ça c'est tranquille. Je vais te montrer
la macro qu'on va utiliser pour le build Syndragosa. Donc ça, c'est le build qu'on va utiliser sur les deux épées de main. Le souffle de Syndragosa n'est pas sur le GCD. Le Racial Orc n'est pas sur le GCD. Pillagif n'est pas sur le GCD. Présence hypothermique n'est pas non plus sur le GCD. C'est un talent qu'on va prendre. Renforcer l'âme runique non plus. Et le Trinket non plus. Ce qui te retrouve à mettre 7 sorts à la fois en une seule frame. Et ça, c'est fort. Parce que du coup, ton setup est instantané. Okay. Et ça c'est un truc de malade. Donc, qu'est-ce que c'est donc que cela? Donc avant on jouait échappe de glace, mais maintenant ça marche plus trop pour plein de raisons. Mais honnêtement, avec toutes les infos que je vais déjà te donner, on va pas trop rentrer dedans. Mais sache qu'en gros il y a deux builds qui sont possibles à l'heure actuelle sur Shadowlands, sur le deck à givre. C'est soit oblitération, donc quand ton pied de givre est actif, t'as full machine à tuer. Soit souffle de Syndragosa. Ça a 2 minutes de recharge, ça consomme 16 de puissance runique par seconde. Et ça fait des dégâts énormes en cône devant toi. Et l'idée quand tu joues souffle de Syndragosa, c'est de faire en sorte que ton souffle dure éternellement, ok, il dure plus ou moins tout le temps. Si tu prends absolument tout ce dont tu as besoin, c'est à dire que si tu joues Ventir, si tu joues la légendaire qui va bien avec, si tu joues les talents, les conduits qui vont bien avec et les talents qui vont bien avec, tu es capable de faire des souffles qui durent 2 minutes. C'est débile. Dans cette vidéo là, je vais pas pouvoir te montrer parce que j'ai choisi Fée parce que c'est trop fort et ça marche très bien avec le build d'anéantissement et c'est un truc que je voulais te montrer. Mais je vais revenir un petit peu plus tard sur les congrégations. Sache en tout cas que si tu veux jouer Syndragosa, c'est Ventir le plus opti, et si tu veux jouer Oblitération, c'est les Fées le plus opti parce que la zone augmente ta force, ça scale avec le pied de givre, ça, tu fais tes anéantissements de zone, etc. C'est extrêmement fort. Alors, sur ce build, on va jouer du coup deux épées une main. Évidemment, on met rune de tranche glace en main droite et on met autre chose de l'autre côté. L'autre côté, j'ai mis rune d'hystérie. C'est une des nouvelles runes. Alors, c'est pas forcément la plus opti en termes de dégâts bruts, mais elle est super intéressante. En gros, ce qu'elle fait, donc je vais te montrer rapidement, rune d'hystérie, elle fait que tu gagnes 20, un maximum de 20 de puissance runique et tu confères à tes attaques une chance d'augmenter ta génération de 20% pendant 8 secondes. Donc, en gros, avec ça, avec ce truc, tu te retrouves à avoir beaucoup plus de puissance runique et pouvoir maintenir des souffles beaucoup plus longs. En termes, si tu prends le build de souffle, l'idée c'est de prendre évidemment le fait de dépenser de la charge runique qui augmente ta vitesse d'attaque, avec le fait que tes attaques automatiques ont des chances de générer de la puissance runique. Ça c'est une utilitaire dev, donc c'est pas ce qui nous intéresse le plus sur des builds offensifs, hein, tu prends ce qui t'arrange suivant la situation. Tant que tu as au moins 3 puissances runiques, tes attaques automatiques mettent des vagues de froid. Ça c'est très fort également, tu joues présence hypothermique, donc le truc qui en plus ne prend pas de GCD non plus, et qui fait en sorte que tu réduis de 35% le coût de puissance runique de tes techniques pendant 8 secondes, et du coup tu joues le souffle de Syndragosa. L'idée évidemment c'est de commencer à se mettre full puissance runique avant de commencer à lancer ton souffle, hein, histoire que ton souffle il puisse durer le plus longtemps possible. Et à partir de là, ton but ça va être de mettre le souffle le plus long possible. Et c'est dur, c'est kiffant, donc c'est parti. Allez, on le maintient longtemps celui-là. Hein. Un beau souffle, hop, la puissance runique, on se remet full. On veut toujours que, de toute façon, il y ait toujours des runes qui sont en charge et que t'aies toujours un max de puissance runique. Hein. C'est assez simple, tu maintiens également ta fièvre parce que la fièvre ça fait des dégâts débiles. Et je te laisse mater un peu le détail, hein, à quel point ça fait grave mal ce souffle qui tape un continue sur les cibles. C'est ça, imagine si t'arrives à le maintenir pendant 2 minutes sur toute une instance, tout un donjon, que t'as des bons packs, que t'arrives à te mettre bien tous les mettre en face de toi. Et voilà, là on est plus sur du 6k DPS constant, et comme tu peux le voir, le souffle ça représente déjà 47% de mon DPS. Et en gros, si je voulais cycler, si j'avais encore fait un cycle parfait, si on maintenait longtemps, si on jouait 20 tirs, si on prenait les bonnes légendaires, là typiquement j'ai pas pris non plus la meilleure des légendaires, en gros il y en a deux. Soit celle que j'ai là, elle est ok, tu joues un anéantissement, inflige 10% de dégâts supplémentaires et 15% de chance de te restituer de runes. Soit tu joues anéantissement à 15% de chance supplémentaire de déclencher Frima, enfin, elle fait 3 fois les dégâts, etc. Et qu'elle est gratuite, et du coup ça te génère en plus 8 points de puissance runique, ce qui te permet de générer quand même masse de puissance runique. Ça c'est un peu les deux légendaires que tu peux jouer quand tu joues le souffle, les deux sont extrêmement bien. Et donc comme tu vois, ça représente une partie monstrueuse du DPS, et c'est super kiffant d'avoir ton souffle qui est devant et de mettre des patates monstrueuses et de, entre guillemets, juste avoir à maintenir ta forme, donc utiliser les bons CD au bon moment, utiliser tes anéantissements comme il faut, pas trop vite, pas overcap, faire gaffe à tes runes, faire gaffe à tes CD. Donc tu vois, typiquement là, l'open, je mets la présence hypothermique, mais j'ai pas besoin de le mettre à l'open, c'est pour te montrer qu'on peut tout mettre dans une macro et que c'est débile. Donc ça, en théorie, alors là, pareil, hein, ça va changer avec les mises à jour, etc., et l'équilibrage, mais alors, si tu veux jouer en pur multi, ce build-là est dans l'absolu meilleur.
C'est un build multi de base. Le truc, c'est que ça demande à ce que tu maintiennes ton uptime, donc tu sors en permanence au corps à corps contre les cibles pour faire des anéantissements, pour gérer la puissance runique. Sinon, bah, ça prend fin et ça réduit en cooldown. Donc c'est un truc qui est très puissant, très cool à jouer, mais qui est également très situationnel. C'est-à-dire qu'il faut réussir à maintenir un contact permanent avec la cible pour réussir à maintenir ta puissance runique. Et suivant les fights en raid, ça peut être très compliqué. Suivant les fights en mythique plus, ça peut être compliqué. En PVP, bon, c'est pas un build PVP, quoi. Donc, bon, c'est un peu les limites du truc. Ça marche très bien, c'est ce qui fait le plus mal en multi-cible, mais il faut bien le jouer et il faut réussir à avoir des bonnes situations. Il faut le press au bon moment, dans des moments où tu sais que tu vas pouvoir maintenir un uptime long du souffle de Sinragos. Donc ça, c'est la version 2 mains. La version 1 main, comme on l'a vu avec Oblitération, du coup, c'est quand même à la base beaucoup plus axé mono-cible et tes dégâts multi-cibles en gros. Ça va être tes procs de rafale hurlante et ça va être les anéantissements de zone enfin qui vont faire des dégâts et des cibles supplémentaires que tu peux faire avec du de la mort. Mais de base, c'est un build mono. Après, t'as également le fait de pouvoir balancer des wyrms sur des gros tas de monstres et avec les boosts augmentés de la zone d'effet et les boosts augmentés du pied de givre, ce qui fait que ça fait très mal. D'ailleurs, si tu as envie de jouer ce build en multi-cible, par exemple en donjon, la bonne façon de faire, généralement ce qui se fait en tout cas, c'est de prendre cette légendaire là qui dit le temps de recharge de fureur du wyrm de givre est réduit de 50% et fureur gèle tous les ennemis touchés pendant 3 secondes. Qu'en gros, ça te met un gros contrôle sur tout le monde et en plus tu l'as au cooldown divisé par 2, c'est à dire qu'au lieu de l'avoir toutes les 3 minutes, tu l'as toutes les 1 minute 30 et ça c'est vraiment fort parce que du coup tu l'as en permanence en donjon et ça fait des dégâts de débile hein, la wyrm de givre. Donc typiquement, si on reprend sur ce type de build, qu'on veut taper un petit peu comme ça, qu'on veut mettre des rafales, etc. Et qu'on va mettre, d'ailleurs un petit burst, on va faire un petit semblant de burst. Hop, hop, hop. Que tu revois bien les dégâts de la wyrm de givre. Hein. C'est parti, la wyrm de givre qui part. Donc là, t'as tout le monde qui est gelé. Tu continues à mettre toi des patates monstrueuses. Et la wyrm, là, on peut voir, elle tape à 60k. Ok, elle prend les 4 cibles. Je fais en sorte de bien l'aligner. Mais ça reste quand même super conséquent. En mode cible, c'est vraiment pas nul. Et en multi-cible, ça te fait un burst de dégâts instantané. Ça contrôle tout le monde. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas mal. Du coup, ce build est carrément possible également d'être joué en mythique plus. Comme t'as pu le voir, un peu les limites en termes d'opti, c'est que bah là, il vaut mieux largement jouer fée, et en plus tes fées, bah, c'est très fort parce que t'as la forme de voyage, qui te permet de gagner énormément de mobilité, et ça en DK, bah il te le manque. Hein. Là, t'as 50% quand tu le cliques, et en plus tu peux faire des petites téléportations vers l'avant de 12 yards, c'est extrêmement fort. Après, en ventir également, tu as la téléportation, donc c'est vraiment pas mal non plus, mais dans l'absolu, fée, ça reste quand même un truc que tu vas beaucoup utiliser sur ton DK, et qui compense drastiquement la classe. Parce que le seul CD de mobilité que tu as, sinon, c'est avancer de la mort. Pendant 10 secondes, ta vitesse de déplacement est augmentée de 35% et tu peux pas être réduit sous 100%. T'es également insensible à tous les bumps, ralentissements, etc. Donc c'est pas mal, mais bon, voilà, t'as que ça, c'est 45 secondes, c'est pas énorme. Ce qui compte surtout, c'est que bah voilà, tu peux maintenir des slows permanents sur les cibles, et généralement, c'est tu vas ralentir les autres plus que d'augmenter ta propre vitesse. Par exemple, t'as la chaîne de glace qui a pas de CD, qui coûte une rune et qui ralentit de 70% pendant 8 secondes la cible. Donc ce truc-là, là, la chaîne de glace, si je retire ma petite forme... Si je mets une chaîne de glace sur la cible, bim, elle est ralentie de 70% pendant 8 secondes. En plus, j'ai des dégâts avec mon cœur froid, donc je peux lui mettre des bonnes patates. Ce qui te permet en plus de pouvoir claquer tes chaînes et en même temps mettre des dégâts, ce qui ralentit quand même la cible et en même temps, ça te coûte pas juste une rune pour aller slow la cible. Du coup, pour faire un petit tour sur... Donc on a vu un peu des builds, etc. et que tu vois, que tu situes bien comment te jouer. T'as pu le voir, Wyrm de glace, elle est disponible de base. Voilà, on l'a pas pris en talent, elle est disponible tout le temps, c'est trop bien, c'est un sort iconique du DK givre, c'est beau, ça fait trop mal, enfin on est content que ce soit dispo de base. On a récupéré beaucoup également de trucs de DK impie. Typiquement, on peut invoquer une ghoul. Voilà, tu peux invoquer une ghoul, c'est génial, voilà, t'as une ghoul, t'es un DK frost avec une ghoul. Elle tape à 0,5 environ, à peu près. Hein. À la virgule près, elle tape à peu près à ça. Mais ça t'offre une possibilité qui est de la sacrifier. Pour 20 puissance runique, tu sacrifies ta ghoul pour infliger 1000 points de dégâts d'ombre. Ouais, c'est claqué. Mais ça te permet de récupérer 25% de ton maximum de points de vie. Ce qui te fait un CD défensif en plus. Ce qui est pas mal parce que ça tombe bien, cette classe est débile niveau CD défensif. Oui, bah je dis souvent débile, mais là c'est le cas quoi. Donc déjà, t'es en plaque. Ok, t'es en plaque, t'as plein d'armure, t'es le plaqueux, t'es celui qui a le plus d'armure du jeu. Déjà, est-ce que c'est suffisant? Non, apparemment non. Bon, on passe à l'étape suivante. T'as frappe de mort, 35 de puissance runique. Focalise les ténèbres afin d'asséner un coup avec les deux armes qui infligent un total de 800 points de dégâts physiques et rend un montant de points de vie égal à 40% des dégâts subis au cours des 5 dernières secondes, au minimum 10% de votre maximum de points de vie.
Donc ça, tu peux le faire à l'infini tant que t'as de la puissance runique, ok. Est-ce que c'est suffisant? Toujours pas. Tu as désormais un CD qui est la zone anti-magie. Pour 2 minutes de recharge, tu places pendant 11 secondes une zone... Bon, c'est 10 secondes de base, je crois que j'ai un truc pour l'améliorer, mais bon, bref. 11 secondes une zone anti-magie qui réduit de 20% les dégâts infligés aux membres du groupe de raid. Donc typiquement, si je la pose, ça, c'est ma zone anti-magie. Donc tous ceux qui sont dans cette bulle, ils prennent 20% de dégâts magiques en moins. Déjà, grosse utilité de raid, ça fait grave plaisir, c'est trop bien. Est-ce que c'est suffisant? Toujours pas. Ok, ok, c'est pas suffisant, pas assez de CDF. Donc tu as ta propre carapace anti-magie sur 1 minute de CD seulement. Vous entoure d'une carapace anti-magie pendant 5 secondes. Elle absorbe jusque 11300 points de dégâts magiques et empêche l'application des effets néfastes. Les dégâts absorbés génèrent de la puissance runique. 1 minute de CD, tu absorbes, tu génères de la puissance runique. Suffisant? Non, toujours pas. Bon, c'est parti. Tu as également robustesse glaciale, 3 minutes de recharge. Ton sang se fige, ce qui accorde une immunité aux effets d'étourdissement et réduit les dégâts subis de 30% pendant 8 secondes. Donc ça, c'est ton wall, ça te rend insensible au stun. Ok, ok. En plus du reste? Ouais, en plus du reste. Non? Ah, il y a encore d'autres trucs. Ah bon, bah, continuons. Hein. Change liche, 2 minutes de recharge. Vous puisez dans l'énergie impie pour vous changer en mort-vivant pendant 10 secondes. Ce qui augmente la ponction de 10% et vous rend insensible aux effets de charme, de peur et de sommeil. Donc t'as un anti-stun, t'as un anti-fear, un anti-charme, un anti-tout ce que tu veux. T'as la zone anti-magie qui empêche les applications magiques tant qu'ils n'ont pas passé au-dessus de la bulle de la magie. Tu as ta bulle anti-magie, de base, hein, tout ça c'est de base, hein, tout ça j'ai rien choisi, hein, tout ça c'est de base. Tu as également la goule qui te permet de récupérer ta vie, tu peux également récupérer avec la frappe de mort, et tu as également un petit truc, c'est voile mortel, lance une rafale impie, donc 40 de puissance runique, hein, c'est énorme, qui inflige 749 points de dégâts d'ombre à un ennemi, ou rend 3700 points de vie à un allié mort-vivant. Donc tu peux devenir toi-même mort-vivant quand tu fais le change liche et tu peux te mettre 3200 points de vie. Bon, ça coûte 40 de puissance runique, tu l'utiliseras jamais, mais voilà, tu peux. En tout cas, voilà, t'as la possibilité de. Après, ce que t'en fais, hein, ça c'est propre à toi. Tu vois, moi j'en suis pas responsable. Si t'as envie de faire des vols mortels, et bah tu peux. Voilà, ça c'est l'avantage. Tu veux faire un vol mortel, et bah tu peux faire un vol mortel. T'as le droit de mener cette vie, même si t'es un décagivre. Voilà, bon, ils ont un peu factorisé tout ça, donc c'est assez logique. T'as toujours ton grappin, ça ne bouge pas, 25 secondes, tu attires la cible, tu la démontes vers toi, avec les trucs qui synergisent avec au niveau des talents. Ça, c'est au niveau du toolkit général de la classe. Donc comme t'as pu voir, on a pu voir un petit peu la mobilité, les 30 millions de CDDF et les builds offensives. Donc là, je pense que t'as un bon aperçu global de comment la classe va fonctionner, de comment elle fonctionne. Maintenant, on a vu aussi, ah, il manque un conduit que je t'ai pas montré, donc là c'est un peu désordonné, tu me diras c'est trop désordonné pour toi, on fera autrement la prochaine. Hiver impitoyable, un fiche de, donc il y a également un truc qui est possible de tourner autour, à l'heure actuelle j'ai pas vu trop de gens le jouer, mais bon ça doit être possible. Hiver impitoyable, un fiche 2% de dégâts supplémentaires aux ennemis touchés, cumulables jusqu'à 10 fois. Donc tu peux augmenter ton hiver impitoyable de façon assez drastique. Surtout que dans les rangs maximum, il devient vraiment, vraiment badass. Et en plus, tu as du coup des talents toujours autour de ton hiver impitoyable qui te permettent de dire, si tu veux, tac, chaque rune dépensée pendant hiver impitoyable augmente ses dégâts de 10% et sa durée de 0,5 secondes. Donc tu peux augmenter drastiquement ton hiver impitoyable, t'as le talent qui va avec, et du coup tu as également un conduit qui va avec. Tu as également une légendaire qui tourne autour de hiver impitoyable, qui fait que les dégâts d'hiver impitoyable sont augmentés de 15%. Tu gagnes Frima la première fois que cette technique inflige des dégâts à 3 ennemis différents. Donc en gros, tu mets ton hiver impitoyable, tu te promènes, et bim! Tu vas gagner un frima, voilà. Tu peux mettre direct une rafale, donc direct tu peux mettre ta maladie à tout le monde en zone qui dure pendant 40 ans. Elle est une maladie qui est très forte, hein. Là on peut voir sa tique à 440, enfin, cette maladie est vraiment vraiment cool, hein, du DK. Donc, c'est la fiche de givre, tu peux la mettre gratos, et du coup t'as ton hiver impitoyable. Donc il y a également d'autres builds qui doivent être possibles, ou des trucs que tu peux mettre avec. Typiquement, tu peux potentiellement décider de jouer ça avec ton souffle de Syndragosa. Il y a des bails comme ça où tu peux réussir à débrouiller avec. Par exemple, tu dis, ah, ok, je vais pas prendre la présence, je vais prendre ça, parce que du coup je claque beaucoup de runes pendant, ça va me faire des gros dégâts de zone. Il y a des trucs à faire, il y a également de la synergie autour de ton hiver impitoyable. Voilà, c'est un truc dont je t'ai pas parlé, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de build qui tourne autour, mais ça existe. Il y a des possibilités de, et c'est ça qui est cool, c'est que t'as vraiment des possibilités de malade sur le décalage. Maintenant, où est-ce qu'il se situe? Où est-ce qu'il se situe en termes de DPS par rapport aux autres? Parce que c'est quelque chose qui est quand même super intéressant de savoir, ok, où il se situe. T'as pu le voir sur les poteaux, on arrive à monter très très haut avec n'importe quel build sur les poteaux, sur les phases de burst. Donc déjà, la classe est vraiment pas nulle à ce niveau-là. Et il y a de la possibilité, le fait que désormais ce soit ton anéantissement qui tape en zone, etc., sur le dieu de la mort, c'est vraiment fort. Avant, c'était pas le cas. Actuellement, il semble être en bonne position, le décalage.
par bonne position, j'entends que sur les sites sérieux que j'ai vus, ils le mettent en milieu haut de tableau. Ok, ils le mettent en milieu haut de tableau. Après, on en voit très très peu. C'est-à-dire que malgré... Alors ça, c'est un truc que j'ai pareil, j'ai du mal à comprendre. La classe, que je sais pas si t'as pu voir, mais perso, moi, que ce soit l'un build ou l'autre, c'est le surkiff. Enfin, c'est super drôle, tu vois. Tu t'éclates. Et là, en plus, tu es avec le Bicora que j'ai. D'ailleurs, n'hésite pas à lire, hein, si tu veux, dans les commentaires. Je peux te le partager. Hein. C'est super limpide. Tu sais exactement quoi faire. Tu t'éclates. Tu mets des bons dégâts. T'as des différentes possibilités de jeu. C'est chelou que les gens n'aient pas envie de jouer des cagivres, ils ne jouent pas des cagivres. Les dégâts sont vraiment bien, mais vu que j'ai pas de preuves au niveau des logs mythiques, au niveau des gros joueurs, au niveau des grosses guildes, hein, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est les logs mythiques des gens qui tombent les mythiques, c'est-à-dire pas grand monde, de voir bah, les meilleurs joueurs, comment ils s'en sortent avec, à l'heure actuelle, j'ai pas de données à donner à ce niveau-là. Donc je peux juste te donner mon propre ressenti, et ce que j'ai pu lire à droite à gauche bah, sur le Discord du DK, des DK, etc. Et les échanges que j'ai eu avec les joueurs qui jouent DK depuis un moment pour créer cette vidéo. Mais à part ça, et puis les articles que j'ai lus, mais à part ça, j'ai pas grand chose, j'ai pas énormément de points de comparaison. Mais en tout cas, moi je trouve que la classe a beaucoup de potentiel et se débrouille très. Elle se débrouille bien. Voilà, elle se débrouille bien. C'est pas très bien, tu vois, genre t'es pas top 3, t'es pas top 5. Mais t'es pas non plus dans les 5 derniers. C'est-à-dire que t'es plutôt en milieu et plutôt en milieu haut. C'est-à-dire que le gameplay est dynamique, est fluide, t'as des possibilités de jeu. Le souffle va être quand même vraiment dur à bien gérer sur les raids, parce que t'as quand même beaucoup de moments où tu vas devoir déconnecter de tous les raids que j'ai fait. Genre, il y a des boss, t'as des phases de danse, t'en as d'autres, t'as des phases où tu dois te cacher de leur vision. Il y en a d'autres, t'as plus d'âge à taper. Donc ça va être assez compliqué de jouer le souffle en raid. Ce qui, je le crains, n'amène qu'à un build... possible qui va être oblitération, parce qu'au début tu vas vouloir maximiser un build et tu vas prendre les congrégations qui tournent autour de ça, mais je pense qu'il y a moyen de briller, il y a moyen de réussir à s'en sortir avec différents types de trucs. Maintenant, Chape de Glace est évidemment redevenue moins forte. Si t'as besoin de plus de détails là-dessus, on peut en discuter en commentaire, mais je me suis dit que j'allais déjà les vidéos sont déjà assez longues avec pas mal de données. Alors ça peut l'air d'être un truc qui te dérange, parce que généralement j'ai beaucoup de personnes qui ne se plaignent pas de la durée des vidéos, mais bon. Voilà, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'infos et que c'est quand même pas si facile que ça à tout comprendre. Donc je préfère essayer de limiter un petit peu. Mais en tout cas, on peut carrément en parler dans les commentaires et ça deviendra peut-être quelque chose qui sera intéressant à terme. En tout cas, pour l'instant, c'est moins intéressant que le reste. Mais ça fait toujours la même chose. Les coups critiques avec frappe de givre et anéantissement réduisent le temps de recharge de petites givres de 4 secondes. Ça existe toujours. Juste que désormais, t'as plus les traits d'Azerite et tous les trucs qui vont avec. Qui c'est les deux types de traits d'Azerite que tu prenais sur BFA qui rendaient le truc fort. Voilà pour la petite vidéo. Donc désolé également pour le délai, hein. J'ai mis pas mal de temps. En plus les serveurs ont shutdown, ça m'a coupé en plein milieu de la vidéo. J'ai pas pu, il fonctionnait plus. J'ai dû attendre le lendemain, j'ai dû remonter mon personnage, refaire mes trucs, refaire mes macros, mes bind, les légendaires, les machins. Du coup j'ai pris pas mal de contre-temps. Donc bah désolé pour ça, hein. Je comptais le faire beaucoup plus tôt dans la semaine. Bon, j'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à aller partager la vidéo à tes amis. N'hésite pas non plus à t'abonner. Et surtout à me dire quelle est la prochaine que tu veux voir. Prends bien soin de toi. Super important, et on se retrouve super vite.